back to where I've been. So as I've introduced you the four axes that we're working on, it's logic to structure all the presentations in the four axes. And therefore, we'll start with the prevent axis. And our first speaker will be Manel Smin. And Manel, je te donne la parole. And I don't know if you present in English or French, as you prefer. Merci, Marco Albert. Bonjour à tous, je suis Manel Smin, doctorante en troisième année. Donc je travaille dans cette thèse sur l'amélioration du niveau de sécurité au niveau des infrastructures qui sont basées sur NFV. Pour atteindre cet objectif, nous avons commencé par étudier les menaces et les vulnérabilités qui peuvent exister sur les infrastructures NFV. Donc l'étude de la littérature nous a permis de se rendre compte que les infrastructures NFV souffrent de plusieurs menaces et de sécurité, menaces et vulnérabilités de sécurité. Donc nous, ce qu'on a fait, donc on a essayé d'améliorer donc l'étude de la littérature nous a permis de se rendre compte que toutes les infrastructures NFV souffrent de plusieurs menaces et vulnérabilités. Ces menaces peuvent être évitées en utilisant les techniques de contrôle d'accès. Donc la première question sur laquelle nous avons travaillé dans cette thèse est comment définir une méthode qui est à la fois efficace, expressive et correcte pour permettre un déploiement qui peut satisfaire les politiques mixtes et complexes. Donc, dans cette thèse, nous avons conçu un framework permettant tout d'abord de spécifier les exigences en termes de contrôle d'accès qu'on doit déployer sur les infrastructures virtualisées. Dans un deuxième temps, nous avons déployé définir un modèle qui permet de déployer les politiques de contrôle d'accès qui sont mixtes et complexes. Et dans un troisième temps, nous avons amélioré ce modèle pour permettre un déploiement optimal en termes des ressources utilisées et l'impact sur le service NFV. Super, merci beaucoup, madame.